Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 4 ou 5 vlogs où je ne serai pas toute seule puisque j'ai une copine youtubeuse que vous devez certainement connaître qui vient passer 4-5 jours à la maison. On n'a pas encore défini à quel moment je la renvoyer dehors, donc du coup je sais pas combien il y aura de vidéos officiellement mais voilà, donc on vous embarque avec nous, vous allez voir juste après c'est qui, elle est sur la route donc elle va bientôt arriver et voilà, je suis trop contente, c'est parti. Allô, ok, j'arrive vous ouvrir, à tout de suite. Hello, Lolo, voilà. Elle débarque avec ses meilleures affaires. T'as emmené des affaires de poney? Oui, j'ai des pantalons. Et il est où Vlan? Tu sais pas censé venir avec Vlan? Si tu savais, faut que je te raconte. Bon, de base, du coup, on était parti pour faire une séance photo puisque Lorraine, elle a passé quelques jours chez Mélissa, qui est Isiris sur Instagram et qui était déjà venue nous prendre en photo. C'est la motte à la maison cette année. Exactement. Oh là là! Pour ça nous. Aïe aïe, non mais là c'est rouge là. Oh la vache. Wouah. Est-ce que c'est glaçant ou quoi? Ah ouais, non. Mets-toi à l'abri, gros sac. Ça c'est bien, ouais. Il est où Sango? Il est dans le box lui? Il est dans le box là. Allez, rentre. Voilà. Vroom vroom, je démarre mon bolide. La caméra elle est en train de dead. T'es nul. Vous savez, il y a un truc qui dit que quand t'es vraiment ami avec quelqu'un, t'as déjà son mot de passe Wi-Fi. Et là, Lorraine, elle est arrivée chez moi, elle avait déjà le mot de passe de la Wi-Fi. Parce que l'année dernière, avant qu'on parte à la motte, elle a passé la nuit à la maison avant qu'on aille à la motte après. Voilà, c'est tout. Et sur ce, nous sommes bien habillés et nous sommes bien changés parce que nous allons manger à Fontainebleau. C'est parti. Regardez devant quoi on passe sur la route du restaurant. Mais non, on ne commencera pas. Oh mon dieu, la queue. Ah bah non, c'est mort. Ah, c'est mort. Bon, du coup, comme vous avez vu, on s'est pas arrêté au McDo. On est bienvenu jusqu'à Fontainebleau et on va vraiment manger l'italien. Il y avait une queue, oui, au McDo. Oui, t'as vu la queue? Quand j'ai vu la queue, j'ai dit ah non, 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 mauvaise idée, pas McDo. Et l'italien de Fontainebleau, c'est une valeur sûre. C'est l'italien où j'avais emmené Tristan aussi. C'est Il Primo Bacio, si jamais. C'est genre mon restaurant de corps. Et pour le coup, vraiment, il est excellent celui-là. Et je sais qu'on va pas finir au McDo après comme le vlog des vacances, ça c'est sûr. Breathe out, breathe in.
la fin de cette vidéo. Avec Lorraine, on a mis notre petit plaid sur nos jambes. On a ouvert les portières pour sentir le courant d'air passer. Et on s'est mis à l'arrière du pré-déponnet dans la voiture. Et on regarde les étoiles. On voit toutes les étoiles, on voit la Voie lactée et tout. Donc on va vous laisser sur ce petit moment. Et puis je vous retrouve demain. Gros gros bisous, à demain. Ciao.